d'intervention approche du village, elle attend vos ordres, Weaver. Équipe d'intervention, la base d'Omega est proche. Le contact de Maxis nous aidera pour l'infiltration. Brave 9, vous êtes là? C'est pas trop tôt. On n'a pas de temps à perdre. Les morts ont déjà envahi la base. Ouais, discrétion et rapidité. Silence! Ordure! Brave 9, mon équipe est là pour retrouver l'agent Maxis. Parfait, des agents de Requiem sur mon territoire. Omega va adorer ça. Ça pourrait marcher. Voyons ce que ça donnerait. Des agents de Requiem rétablissent le courant dans la base en échange de l'agent Maxis. Parfait. C'est peut-être un piège, mais on va devoir entrer dans son jeu. En tout cas pour l'instant.
Le plan d'un fusil à énergie. Sommaire mais réalisable. Trouvez les pièces de l'arme. Si vous voulez l'arme secrète de Cool Clay, il vous faudra sa clé spéciale. Il la gardait toujours sur lui. Trouvez-le et vous trouverez la clé. Meurs, t'as la prise. Opérationnel par ici. Avec ça, vos balles seront aussi tranchantes que de l'acier russe. Vous devriez vous en servir. Bien pris votre temps, n'est-ce pas? On se retrouve au contrôle de mission. J'attendrai. Vous en avez déjà combattu, pas vrai? Ils sont féroces et impitoyables. Comme des mecs alcooliques. Ne meurent pas facilement. Malgré tout, si vous les coupez en petits morceaux, ça devrait le faire. Personnellement, je doute de l'efficacité des sérums de vérité.
mais il y a toujours des exceptions, surtout si l'éther entre en jeu. Malgré son manque de décorum, je pense que Ravnov veut sincèrement nous aider. C'est peut-être un Spetsnaz, mais c'est pas une marionnette d'Omega. Il est avec nous, j'espère. Ah, la clé que vous avez trouvée devrait ouvrir l'un de ces casiers. D'approvisionnement en aérosol. Voilà de quoi faire parler Peck. Là, Peck, ce caméléon, ce serpent corruptible. C'était un grand scientifique américain, vous savez. Ouais, mais même avant que les Russes mettent la main dessus, c'était déjà un connard arrogant. Très bien, Peck. Tu t'es bien amusé. Maintenant, comment ouvre le portail? Et on veut la vérité. La vérité. La vérité est que vous avez interrompu une magnifique valse avec ma Martha. Mais le portail. Il vous faut les
code de Sokolov et de Brahms pour redémarrer l'ordinateur quantique. Mais pour trouver Maxis, il faut son étiquette d'identification dimensionnelle. C'est Zabine qui l'a. Oh, j'oubliais. Ils sont tous morts. Ou affectés. Allez au centre de données. Vous y trouverez peut-être quelque chose d'utile. Thank you.
attention. Ça suffit comme ça! Point. Ça fera l'affaire pour le moment. Ça viendra compléter ma collection. Barré à quasiment toutes les situations. D'après PEC, c'est facile. Code de réactivation. Identification dimensionnelle. Ouvrir le portail. Récupérer Maxis. Oh, espérons juste que notre cible soit facilement identifiable dans l'immense horde.
Une bonne arme polyvalente. Ok, je prends. Là, on peut parler. C'est l'un des codes d'activation. On n'a plus qu'à trouver l'autre. Meurs, saloperie! Transformateur de courant adapté à l'éther. Cool Clay a tout fait pour garder le secret. Huh?
Hunter. Bien joué. On a ce qu'il faut pour redémarrer l'ordinateur central. Munitions max. Fenêtre d'exfiltration disponible. Prototype d'armes à l'intérieur.
d'élimination. Équipe d'intervention, la fenêtre d'exfiltration est fermée. Dimensionnel. Il ne nous manquait plus que ça. Vite, rejoignez la zone. Des munitions. Et j'ai pas encore fini. Prenez exemple, camarade. Que des soviétiques. Ces brèches sont de plus en plus nombreuses. Préparez-vous pour la prochaine. Huh?
souffrance sera de courte durée. Oh.